La première chose que tu dois connaître de Dieu est this. The first thing that you have to know. C'est lorsque tu es en train de prier, tu dois connaître de Dieu dans ta prière. By yourself, you doubt it in prayer. Parce que nous ne prions pas pour prier. Because we do not just pray. Mais nous prions parce que Dieu exauce. We pray because God answers our prayer. C'est très dangereux à la fois. Et oui, je souviens. You have a double-minded husband. C'est très dangereux d'avoir un leader irrésolu. To have a double-minded leader. Tu vas sacrifier le peuple qui te fait confiance. You will sacrifice the people that have trusted you. Tu vas les décourager. And you'll be scared. Chaque moment, tu vas savoir qu'est-ce qu'est la priorité. Every single day, you must know what is the priority. Je vais seulement avoir force à dire. I will only reinforce what I'm saying. À part Jésus. Besides Jesus. La priorité. The priority. C'est ta maison. It is your home. Je vais dire ceci, quelqu'un a permis. Someone you understand me, I'll say it again. Besides Jesus, your priority is my icon. C'est le foyer. It is your home. Nous qui sommes les parents. As who are parents. Nous devons aussi savoir voir nos enfants dès qu'ils sont plus. Comment les faire changer. When they're young, to look at their character, to see how it's building up. Pour les aider à être des hommes et des paroles constantes. To become a man of constant words in life. Ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est ce que son mari ou sa femme souffrira demain. What affects them today is what husband or wife will suffer from tomorrow. Now, if you find this number, this number multiplied by 10, they'll find themselves in pleasure. If people are arguing before they can give for the things of God, and people will give 10 times more to give things as possible. Tu as fait de Jésus le Seigneur de ta vie, c'est que ton intérêt c'est maintenant. Si tu as un ami irrésolu, you know, if you have a double-minded friend, il est ton ami, your friend, tu le dis de tout et de rien. You tell them everything. Un jour en passant, and then one day, tu le trouves en train de rire avec des gens qui ne t'aiment pas. And you see them laughing with people that don't love you. Mais tu l'as déjà tout dit. But you've already told them everything. Je croyais qu'il était mon ami. He said, well, I thought he was my friend. Then how come he's on this other side? Nous ne devons pas être résolus. We cannot be that in my God. Laisse-moi dire ceci à quelqu'un. Let me tell something to someone. Tu ne peux combattre le diable armé de ses armes. You cannot fight the devil with his own weapon. La haine. Hate. La colère. Anger. Le mal de anger. You know, nothing la vertu. Ce sont badge. Les armes de l'ennemi. It is the weapon of the enemy. And mais il y a des moments. Going to these people all the time. There are times. Pas la bonne réponse. Pas la bonne réponse. Not the good answer. Mais la meilleure réponse. But the best answer. Et l'unique réponse. And the only answer. Qui était bien pour toi. That was good for you. Était non. It was no. Ton oui là. Your yes. A déstabilisé ton frère. Has destabilized your family. Let's stand up and we'll listen to the word of God. Nous allons parler de l'homme irrésolu. We will talk about a double-minded person. L'homme indécis. A double-minded person. L'homme irrésolu ou indécis. A double-minded person. Maintenant tu vas prier. And now you pray. Dieu Seigneur de te parler. Tell the Lord to speak to you. De t'enseigner sa parole. To teach you his word. Bien, let's pray together. Let's pray together.
Dis au Seigneur de te parler. Tell the Lord to speak to you. De t'enseigner sa parole. Tell the Lord to teach His word. De te révéler sa pensée. To reveal to you His thought. Nous sommes venus devant ta face. We're coming from you. C'est toi qui nous connais. He's the one that knows us. Révèle-nous ta pensée. Reveal us your thought. Parce que tu nous as parlé par nos enfants. Because you talk with our children. Ta parole est ta pensée. Your word is your thought. C'est le mind of God. It is the mind of God. Voilà pourquoi nous voulons connaître ta pensée pour nous. That is why we want to know your thought for us. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Restons-nous. Let me remain standing. Nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 1, James. Dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 8. We will read in the book of James, chapter 1, verse 8. A double-minded man is unstable in all his ways. L'homme indécis, l'homme irrésolu, est instable dans toutes ses voies. L'homme irrésolu, l'homme indécis, a double-minded person, est instable, is unstable, dans toutes ses voies, in all his ways. Quelqu'un a compris? Does someone understand? Dis à quelqu'un contre l'homme irrésolu. Tell someone beside you, a double-minded person, is an unstable person in all his ways. Amen, hein? Double-minded. Double-minded. It comes from a Greek word. Psychos. The psychos. Psyche, it's the mind. Psychology. Psyche, it's the mind. Psyche is the mind. C'est l'âme. It's the soul. Le domaine de l'âme. It's the domain of the soul. Psychology. Psychiatry. C'est le domaine de l'âme. It's the domain of the soul. De la pensée, des émotions, de la emotions, will. Disciples, c'est vraiment. Disciples means. La personne qui a des minds. A person with two minds. Qui a des souls. Or souls. Qui a des pensées. Or thoughts. Au lieu d'avoir une pensée. Instead of having one thought. Il a en lui-même. Inside himself. Des pensées. He has two thoughts. Donc il arrive comme dans un carrefour. It's as if he's like get on a crossroad. Je dois aller à gauche. Will I go on the left? Je dois aller à droite. Or will I go on the right? Il est irrésolu. Il ne sait pas où aller. He doesn't know where to go. Il est comme dans un carrefour de pensées. He's somewhere in his thoughts. Je ne sais pas si tu comprends. I don't know if you understand. C'est comme si tu es derrière quelqu'un qui a acheté la route. Someone that just bought the whole road. Donc il a acheté la route ce jour-là. It's at that day the whole road he bought it. Et toi tu es derrière lui, tu es en retard au travail. And then you're behind them, you're late. Et il est à l'aise dans son volant. And they're very comfortable behind parce qu'il a acheté la voiture. Because he bought the donc, road. Donc il n'est pas so he's not even a home. La route il appartient à celui-là. The road belongs to him. Mais toi tu es en retard. But you're late. Tu sais qu'en retard tu vas avoir un point. And you know that they will give you a point for being late. Mais lui il est à l'aise dans les 45, il est en train de faire les 35 but he's there, you know, driving 35 miles per hour. Mais il a vu dans un carrefour. But then he get on crossroad. And then he blinks a light that he's taking a right. And you're about to make left. And then he goes left too. Donc, si tu es chrétien, if you're Christian, tu vas te demander pardon après. You just ask forgiveness after. Parce que tu vas lui faire quoi? Because you do what? Insulter. You insult him. Parce que quand tu es derrière quelqu'un qui est irrésolu, tu as un sérieux problème. Because when you are behind somebody that's double-minded, you have a serious problem. Parce que tu ne sais pas dans quel pied danser avec lui. Because you don't know with which foot to dance. Si, with what foot to dance. Is he going to go left or is he going to go right? Donc irrésolu. Double-minded. Dans sa pensée. In his thought. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. I don't know if someone understand. Jacques était en train de parler. James was talking. Par rapport à cela. According to this. Parce qu'il était en face des chrétiens irrésolus. Because he was in front of double-minded Christians. Il était en face des chrétiens indécis. He was in front of double-minded Christians. Et il dit ceci. And he said. Les chrétiens irrésolus. A double-minded Christian. Est instable. Is unstable. Dans toutes ses voies. In all his ways. Mais la question est la suivante. And now the question is the following. Comment connaître que tu es irrésolu? How can you know that you're a double-minded person? Comment personnellement tu peux connaître que moi je how suis can you personally know that I am a double-minded person and I am unstable? Il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire à cela. There are so many things that we may say according to that. Je ne sais pas donner
cinq choses. But I only give five things. According to the passage that we read. La première des choses qui te fait savoir que tu es irrésolu. The first thing that may show you that you have not that you have irrésolu. C'est lorsque tu es en train de prier. It's when you're praying. Mais au-delà de toi, tu as des doutes dans tes prières. But inside of you, you have doubt in your prayers. Jacques dit ceci. James says this. Si quelqu'un parmi vous manque de la sagesse. So if someone among you does not have any wisdom. Qu'il la demande à Dieu. Let him ask to God. Dieu qui donne à tous. God will give everything. Qu'il la demande sans douter. Let him ask without doubt. Parce que celui qui doute. Because the person that doubts. Est comme le flot qui est dans la mer. It's like the water that's flowing. Il est en train d'être agité de tout côté. And it's just being agitated everywhere. Quelle personne. This is certain people, they cannot even imagine that they will receive from God. The first thing that you have to know that by yourself, you're doubting your prayer. Parce que nous ne prions pas pour prier. Because we do not just pray. Mais nous prions parce que Dieu exauce. We pray because God answers our prayers. Mais l'homme irrésolu. But a double-minded person. First of all, they don't even know if they have the will of God in the prayer. Secondly, he's not even sure that God will answer his prayer, but he's just praying. Thirdly, he doesn't even know if God is really the God of law so that he may give him everything that he's asking for. So that God can contract. I can tell someone that the God of the Bible, he created heaven and earth. He created sun and time. Oh, écoute, listen to me carefully. The God of the Bible, the creator of heaven and earth, he created la lune et la lumière et les étoiles. He created stars, moon, and light. Pour déterminer le temps. So that he may determine le temps. Time, season, day and night. Le temps a été créé. Time was created. Le temps, time, c'est une parenthèse. It's a parenthesis. Entre l'éternité. Between eternity. Dans l'éternité, il n'y a in pas eternity, de temps. Eternity, there's no time. L'éternité n'a pas de commencement. Eternity does not have the beginning and does not have the end. Dès que tu acceptes Jésus. Once you accept Jesus Christ. Tu es dans la vie éternelle. You are in eternal life. Dès que l'homme est créé. And when the man is created. L'homme a commencé son éternité. Man starts his eternity. Pas rien comme un chrétien. Pagan as Christian. Eternity, le temps, time, est une portion de l'éternité. It's just a portion of eternity. Quelqu'un a compris? But someone understands. L'éternité does not have the beginning and does not have the end. Mais le temps, but time, est une portion de l'éternité que Dieu a limité. That God has limited. Sous le soleil, under the sun. Parce que le soleil a limité. Bien, mais maintenant le temps. Because the sun and the night determine time. C'est le soleil qui a fait qu'on a on peut appeler ce qui est passé hier. It's the sun that made it so that we may call yesterday yesterday. And now the moon will make today become yesterday. Under the sun. The God of the Bible. He made that every single thing has. Every single thing is eternal. Under the sun, nothing is eternal. Sickness is not eternal. Problems are not eternal. Difficulty is not eternal. But the God of the Bible does not live under the sun. He lives above the sun. Where the word late does not exist. Where is never late with God? That is why when you get into faith, you do not depend on the sun. You depend on what the sun cannot stop you. And now the double-minded Christian. Under the sun. But he's not believing that God will do something. I know that this person has been changed. My husband, he does not believe. You see the other person's husband? He was Catholic. It's easy. Catholic. He's like,
into this world. Since he was born. C'est que il ne croit pas ce que Dieu peut faire. So, meaning that this person does not believe what God can do. They won't believe it. Je sais pas si quelqu'un l'a fait. Un homme résolu. And double-minded man. Non seulement il est en train de prier. Not only is he praying. Mais il a déjà son agenda. But he also has his agenda. Quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Agenda. Il a déjà son agenda. He already has his agenda. Et il prie pour prier. And he's just praying. Mais dans son cœur, il ne croit même pas à ça. But in his heart, he does not believe in his spirit. Il demande à Dieu. He asks God. Mais il sait déjà ce qu'il fera. But he already knows what he will do. Il n'est pas stable dans sa prière. He is not stable in his prayer. Paul a dit ceci. And then Paul says this. Ephesians 4:14. Then we will no longer be immature like children. Nous ne serons plus immatures. Nous ne serons pas plus immatures comme les enfants. We won't be tossed and blown about every wind of new teachings. Nous ne serons pas agités comme les enfants avec tout genre de doctrine. We will not be influenced when people try to trick us with lies so clever they sound like the truth. Nous ne serons pas influencés quand les gens nous viennent avec des belles paroles qui paraissent comme être la vérité, mais qui ne sont pas la vérité. Amen. Pas comme les enfants. Not like children. Parce que les chrétiens instables, indécis. Because an unstable Christian, a double-minded Christian, sont comme des enfants. Are like children. Ils vacillent comme des enfants. Going around like children. Donc, la première chose que tu peux connaître si tu es irrésolu ou résolu. The first thing you may know that if you are a double-minded Christian. C'est lorsque tu pries toi-même. It's when you pray by yourself. Dans ton cœur. But in your heart. Tu as déjà ta petite solution. You have your little small solution. Quelqu'un a compris? Does someone understand? La deuxième chose que tu peux connaître si tu es irrésolu ou tu es stable. The second thing is. L'homme irrésolu. An unstable person. Il est instable dans sa position. A double-minded person is unstable in his position. L'homme irrésolu. A double-minded person. L'homme indécis. A double-minded person. Il est instable dans sa position. He is unstable in his position. Il peut avoir une position dans ce qu'il veut. He may have a position in what he wants. Mais lorsque la pression arrive. But when pressure comes. Lorsque les amis s'élèvent. When friends rise. Lorsque la famille s'élève. When family rise. Il peut changer sa position. He may change his position. L'homme irrésolu, a double-minded person, est instable dans sa position. He is unstable in his position. Quand il y a des pressions, when there's pressure, il peut bouger sa position. He may shake his position. Quand la famille, les amis s'élèvent, and when family and friends raise, il peut bouger sa position. He may change his position. He is a people pleaser. Il aime plaire aux gens. He's a people pleaser. Il aime plaire aux gens. He's a people pleaser. Il peut plaire même aux gens pour oublier ce qui est ami. They can even please people and forget what's theirs. Il peut plaire à ses amis et sacrifier sa femme, sacrifier son mari, sacrifier son please mari. Other people and sacrifice their wife, family, or husband. C'est très dangereux d'avoir un mari irrésolu. It's very dangerous to have a double-minded husband. Parce que ce que vous avez dit que vous ferez de l'argent des taxes. Because what you say you do on the tax money. On va mettre dans les savings des enfants. You say, oh, we save this for our children. On va acheter une nouvelle voiture. We'll buy a new car. On va acheter ceci. We'll buy this. Lorsque les téléphones du pays sonnera. When someone will call from back home. Il te dira même pas. He will even tell you. Tu sais quand ça sera maintenant l'heure d'aller acheter. And you know when it'll be time to go buy. Oh, tu sais. You say, oh, you know. La tante là avait appelé. This auntie called. Ils avaient un problème urgent. They had an emergency. Et j'ai appelé cet argent là. And I sent them that money. Le mari irrésolu. A double-minded husband. Tu feras voir ta femme mauvaise. You make your wife seem as a bad wife. Quand tu es un mari irrésolu, when you're a double-minded husband, ta femme paiera le prix, ton foyer paiera le prix. Your wife will pay the price, and your marriage will pay the price. Ce n'est pas que je dis que ma femme ne m'aime pas me donner l'argent, parce que ta femme, tu l'as fait que tu es irrésolu. Like vous allez bien vous attendre, parce que je suis double-minded. Tu sacrifies tes enfants. It's a you pledge something, but what's that going to mean? You sacrifice your children just to please others. Si tu es un mari irrésolu. If you are a. Tu es la tête de la maison, la femme est derrière toi. If you are double-minded. Elle est derrière toi. And the husband, the wife. Parce que vous avez dit. And suis-moi. La femme sait que vous allez comme ça. And the wife knows that you're moving forward. Mais pourquoi pas marcher ensemble sans ça?
Vous êtes accordé dans ce que vous faites. You are, you agree. Vous êtes en train de marcher. You are. Because you are the head. Mais là, toi, en allant. And then now you start going left, right. And now the wife does not know what to do. She doesn't know what to do. L'homme de la maison, tu dois être résolu. The man of the house, you cannot be a double minded. You will please other people and you will sacrifice your marriage. And you will sacrifice your family. C'est très dangereux to have a double minded husband. C'est très dangereux d'avoir un leader irrésolu. To have a double-minded leader. Tu vas sacrifier le peuple qui te fait confiance. You will sacrifice the people that have trust in you. Tu vas les décourager. And you will discourage them. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Does someone understand? Vous ne devez pas être des hommes irrésolus. You cannot be double-minded people. Pas seulement des hommes irrésolus, même pas des femmes irrésolus. Not double-minded men and double-minded women. Vous pouvez bien vous entendre avec ton mari. You may get along so well with your husband. Mais lorsque tu consultes ta sœur, ta mère, ta... When you go and consult your mother, sister, and then you go to your husband and say, oh, you see, I don't know what we say, I went and I thought about it. You did not think you want to consult. Not only a double-minded man, but a double-minded woman. You will please others, but you will sacrifice what's yours. Je suis un homme irrésolu. How to know that you're a double-minded person? Une femme irrésolue. A double-minded woman. C'est parce que tu n'es pas stable dans tes décisions. It's when you are not stable in your decision. Tu n'es pas stable. You're not stable. On pense que ton mari est mauvais. Thinking that your husband is bad. On pense que ta femme est mauvaise. Thinking that your wife is bad. C'est en sortant de la maison que tu vas changer ce que vous avez dit. But it's while living the house that's when you change. Elle a pensé que vous avez dit là. And then she still has the same plan that you made. Mais dans la même famille, il y a une problème. And now, mauvaise. Now the in-laws are saying, oh, you're bad, such a bad wife. Ton mari a mon père, you know, we've seen so many men, but never seen a man that's so greedy. He said, oh my goodness, he does not give it so great. Because you're changing in what you had planned on doing. I don't know if someone understands me. That is why you always have to keep the principles. Golden principles. If you want to succeed in your life. First of all, you cannot please everybody. Si tu veux le faire, tu seras malheureux. If you want to do it, you'll be miserable. You can't please everybody. Tu ne pourras plaire à tout le monde. You can't please everybody. Parce qu'en cherchant à le faire, tu vas sacrifier ton mari. Because by looking to do so, you'll sacrifice your marriage. La deuxième chose, the second thing, garde ta priorité comme Your priority has priority. Il y a des moments, des choses ne viennent, ne sont pas des priorités. There are times things come that are not priority. À chaque moment, tu vas savoir qu'est-ce qu'est la priorité. Every single thing, you must know what is your priority. Je vais seulement en renforçant en disant. I will only reinforce by saying. À part Jésus. Besides Jesus. La priorité. The priority. C'est ta maison. It is your home. Je vais dire ceci, quelqu'un n'a pas bien écouté. Someone didn't understand me. I'll say it again. À part Jésus. Besides Jesus. La priorité. Your priority. C'est pas icon. It's not icon. C'est le foyer. It is your home. Quelqu'un a bien compris? Does someone understand? À part icon. Besides Jesus. Jésus n'est pas icon. Jesus is not icon. Icon c'est son œuvre. Icon is his work. Ne confondez pas. À part Jésus. Besides Jesus. La priorité. Priority. C'est ton foyer. It is your marriage. Pas l'église. Your home, not foyer. Church. No. Si tu ne sais pas arranger d'abord ton foyer. So if you do not know how to fix things at home, how can you come here and try to fix things in church? There are times when you have to know what your priority is. Venir à l'église, come to church, où mon mari a un projet to pray overnight, or mon mari a besoin de moi. Or you know, being at home when my husband. Ton mari a besoin de toi et la priorité. Your husband needing you is your first priority. Tu vois des moments même, qu'est-ce que la priorité? Sometimes you have to know what is your priority. Garde ta priorité comme la priorité. Keep your priority as your priority. C'est quand tu changes la priorité que les choses vont commencer à... It's when you change your priority that things start
Tu as mis ton enfant en priorité. You put your child as priority. Tu as mis ta famille ta priorité. And your family your priority. Ta famille a plus de valeur que ta femme. And your family has more value than your wife. Your family has more value than ta your husband. Ta maison plaira. Ta priorité n'est pas en place. Your husband will fall because your priority is not in place. Est-ce que j'ai dit? Does someone understand what I'm saying? Troisièmement, pour que tu sois cela, and thirdly, il est inconstant dans toutes ses voies. Inconstant in all his ways. Tu sais, l'homme indécis, you know that the double-minded non seulement il est instable, not only is he unstable, c'est un miracle. It's a miracle. S'il commence et qu'il finit lui-même, ça qui est quelque chose. If you start something and finish something yourself without the help of anyone, c'est un miracle. It's a miracle. Parce que lui commence. Because he starts something. Mais down the road. But down the road. Il revoit encore ce qu'il a commencé. He reviews what he started. Combien de fois tu n'as pas revu le fiancé et la fiancée qui étaient autres par la volonté de Dieu? How many times have you reviewed the fiancé? You always review. Il commence la chose, start something, mais avant de la commencer, but before starting, il ne prend pas le temps de bien comprendre ce qu'il veut commencer. Mais dès qu'il commence, but once he starts, il a déjà investi. Mais down the road, but down the road, tu vois, you see that. Mais avant de t'engager dans cette classe là, tu devais d'abord avoir des informations de la classe et tout. Before you even register for that class, you should have had information about the class. Investir l'argent et why à la did fin, you invest your money? Tu ne veux même pas finir. And then at the end, you do not want to finish. C'est que lui pour qu'il commence. Which means that for him to start, il a peut-être besoin de quelqu'un d'être là toujours pour l'appuyer. He might just need somebody to be there to push him. Il est instable. It's unstable. Mais là, écoute moi. C'est très dangereux quand tu as des tels gens dans les teams que tu as. It's very dangerous when you have such people in your team. Because you never know what is going to change. It's mine. C'est très dangereux d'avoir des gens pareils compter sur eux. It's very dangerous to have people like that, and then you have to count on them. Nous ne pourrons pas bâtir l'église si nous n'avons pas des chrétiens résolus. We cannot build the church if we have double-minded Christians. Parce que lorsque le temps de l'épreuve passera, si tu n'es pas résolu, because when we go through trials and tu changeras, if you have double-minded, you change. C'est que si tu veux faire quelque chose. Meaning that if you want to do something, tu dois savoir que tu as des gens qui sont résolus. You have to know that you have people who have and have been through trials, mais pas les gens irrésolus, and not double-minded people. Parce que celui qui est irrésolu, because the person that has that, tu ne sais pas dans le monde quand est-ce qu'il changera. You don't know when they will change. Il est comme un caméléon. Donc il peut changer de couleur. They can change color. Il est comme la chauve-souris. It's like that. Donc il est où c'était l'oiseau? You already know that there are four calls after you've made plans. Est inconstant dans is not constant. Il change toujours de position. Always changing their position. La Bible dit de tel homme. The Bible says that such men. Il ne doit même pas imaginer qu'il va recevoir quelque chose de la part. He cannot even imagine that he receives something from God. Nous qui sommes les parents. As for our parents, nous devons aussi savoir voir nos enfants dès qu'ils sont petits. Comment les faire changer? When they're young, to look at their character to see how it's building up. Pour les aider à être des hommes et paroles constants. To become a man of constant words in life. Ce qui les affecte aujourd'hui, c'est ce que son mari ou sa femme souffrira demain. What affects them today is what husband or wife will suffer from tomorrow. Parce que ton mari ou ta femme est en train de souffrir, c'est que ta mère et ton père ont laissé en toi. Suffering from what your father and mother left in you. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. I don't know if someone understands. Mais quand même des choses que tu sauras que tu es.
certaine. Laissez-moi ça, madame. The fourth thing is. Il est toujours incertain, indéterminé dans ce qu'il veut faire. Certain and undetermined in what you're planning on doing. Il veut faire des choses. He wants to do something. Mais il est souvent un quitter. But always a quitter. Il a toujours été incertain. Always uncertain. Il y a des choses que tu ne dois pas dire, Dieu seul sait. There are things in which you don't have to say, God only knows. Parce qu'il était de la Bible. Because the God of the Bible. Fini. He finished. Ce qu'il a. What he started. Et toi, tu n'es pas comme ton Dieu. But you are not like your God. Qu'est-ce que tu as déjà fini de bien qui te peut témoigner? What have you ever finished that's good that you can give testimony? Qu'est-ce que tu as déjà fini de bien? What have you finished? L'homme incertain. A certain man. Il manque la détermination. He's missing determination in what he's doing. Lorsque les problèmes, les pressions arrivent, il sait. When problem and pressure comes, he just leaves it. Parce qu'il est inconstant. Because he's not constant. Parce qu'il est incertain. Because he's uncertain. Il est indéterminé. He is undetermined. Il peut commencer avec enthousiasme ce qu'il veut faire. He can start with so much enthusiasm, but he mais won't après un temps, but after a while. So we just know this person just like that. Combien de travail tu as déjà laissé parce qu'il y a seulement un petit problème? How many jobs have you quit just no. Because it was a small problem? L'autre là on le fire. So the other one got fired. Toi on t'a pas fired. No, but you don't get fired. C'est toi qui fire le travail. You just quit. L'autre là on l'a fired. The other one got fired. Mais toi? But you. C'est toi qui fire le travail. You're the one that's fired at work. Il n'y aura pas toujours un travail facile. There will never be a job that's easy. Mais le travail là difficile, là, c'est là où tu seras élevé. Maybe that difficult job is where mais you'll rise up. Mais toi, ton problème c'est quoi? How your problem is what? Tu n'as jamais été déterminé you en ce que tu fais. You've never been determined in what you do. Si un problème était déjà en train de chercher des applications, you have a job, but you're already looking for a job elsewhere. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. L'homme irrésolu est double-minded. Est déterminé dans ce qu'il fait. He is undetermined in what he's doing. Ceux qui s'associeront avec toi auront des sérieux problèmes. The people that will associate themselves with you. Parce qu'ils ne sont pas quand tu vas les dump. They will not know when you will dump them. Quand toi, les choses arrivent difficiles, tu les dumpes. When things get hard for you, you just dump people. Dumpers. Dumpers. I don't know if someone understands. Je veux dire ceci. I'd like to say this. Dieu aimerait te donner ce qu'il veut te donner. God would like to give you what he would like to give you. Let me ask you a question. Let me ask you a question. How bad do you need it? How bad do you need it? How bad do you really need it? How bad are you really ready to go through to get it? C'est ça le problème. How bad do you need it? How mais foi, ce n'est pas la détermination. Sometimes there's no determination. Pardon, Moïse. Pardon, Moïse. Like, how can I go to church? We're fine here.